et parler en langue. Puisque des fois ils disent quand tu as reçu le Saint-Esprit, les gens parlent en langue. Oui. Et les gens qui ne parlent pas en langue, donc ils n'ont pas encore. Est-ce que c'est caractéristique de ne pas être vêtu du Saint-Esprit? De parler en langue, c'est quoi? C'est ça? Oui. C'est ça que je peux résumer. Nous avons dit l'esprit du Créateur, donc ça veut dire que c'est une portion de sa personnalité dont il dote l'esprit humain. Vous voyez bien. Donc, ça veut dire que lorsque le Créateur donne à l'esprit humain les éléments qui le caractérisent, il sort cet esprit humain des limites, n'est-ce pas? Il le rend capable de voir comme lui, le Créateur. Vous voyez? De comprendre comme lui. Et c'est à partir de ce moment même que cet esprit humain peut être capable de dialoguer avec le Créateur. Il peut comprendre le langage du Créateur. À travers tous les moyens qu'il utilise. Hein? Voilà. Et c'est là aussi, nous, on rentre dans la dimension de ce que c'est que comprendre ou alors parler des langues. Donc, alors, ça fait que toutes les langues, par exemple, qui sont parlées dans le monde, toutes les langues qui sont parlées dans le monde sont des outils que l'esprit utilise. Toutes les langues. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Toutes les langues qui sont parlées dans le monde. C'est-à-dire que vous prenez l'exemple. Quand vous allez en Afrique, il y a des milliers de langues. Vous allez en France, il y a des langues. Vous allez en Chine, il y a des langues. Bon, ces langues-là, lorsqu'elles sont utilisées par le même esprit qui gouverne le monde, même si dans la forme, elles semblent être différentes, ces langues expriment la même chose. Maintenant, si vous rentrez dans l'identité de cet esprit qui s'exprime à travers toutes ces langues, vous voyez très bien, vous allez comprendre ce que dit toutes ces langues. C'est ce que je veux dire. Hein? C'est-à-dire, vous allez comprendre le sens de toutes ces langues. Vous rentrez dans l'esprit qui s'exprime dans ces langues. Vous allez comprendre leur sens, même sans les parler phonétiquement. Mais vous comprenez ce que toutes ces langues expriment. Voilà. C'est-à-dire, je reviens un peu terre à terre. Donc, voyez que dans un monde, vous avez 7 milliards d'individus qui parlent au niveau phonétique, peut-être autant de langues, parce qu'ils se rencontrent dans le même esprit. Bon, si vous prenez un mot comme le bonheur, par exemple, vous allez voir qu'en chinois, ce mot-là veut dire la même chose. Vous allez dans les langues africaines, le Lingala, le Bassa, le bonheur, ça veut dire exactement la même chose, parce que c'est le même esprit qui est derrière. Donc, il suffit simplement que vous rentrez dans l'identité de cet esprit, vous allez comprendre ce que les gens expriment partout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Donc, on peut donc voir là, c'est-à-dire qu'on rentre là dans une dimension, on dit, il a le don de comprendre les langues. Ou de comprendre toutes les langues qui se parlent. Parce qu'il y a en toi la dimension ou la personnalité de l'esprit qui s'exprime à travers toutes les langues. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc il est dit que, quand on parle des actes, le passage des actes, donc, le Messie dit aux disciples, je m'en vais et je reviens. Donc, vous avez, nous avons dit, la personnalité du Créateur qui s'exprime et dont les disciples vont être dotés, ces caractéristiques. Ils vont être dotés de ces caractéristiques du Créateur. Donc, on peut dire, ils rentrent vraiment dans la dimension du Créateur, dans sa sphère. Bon, et au moment où ces ressources-là descendent sur eux, on dit bien que, pour leur montrer en fait que ces individus-là étaient rentrés dans une dimension supérieure. Il y avait des peuples autour d'eux qui étaient venus, arrivés de partout. Donc, ils les entendaient parler dans leur propre langue. Vous voyez? Ils entendaient le sens de ce qu'ils disaient. Donc, une manière de leur montrer que ce qui était descendu sur eux, c'était bien les caractéristiques venant d'en haut du Créateur. Voilà. Donc, quand on parle du don des langues,
C'est-à-dire que la langue, on parle bien de cette capacité que le Créateur donne, donc par son esprit, de comprendre le sens de ce qui s'exprime dans le monde où nous sommes. Non, absolument pas. Ça veut dire que lorsque notre esprit, vous rentrez, nous disons bien, nous rentrons dans l'identité du Créateur, vous comprenez tout ce que les hommes désirent sur la terre. Ce qui s'exprime, quel type d'esprit est en eux, leurs préoccupations. Parce que les gens ne parlent pas simplement quand ils utilisent la phonétique. Vous voyez, même par leur démarche, les désirs, dedans, les ambitions, les envies, vous les discernez. Et vous voyez bien que quand le Messie est avec, des fois les pharisiens ou les disciples, on dit bien qu'ils savaient ce qui était dans leur cœur. Mais sans qu'ils aient utilisé la phonétique. Mais à un moment, il leur dit, mais pourquoi avez-vous des si mauvaises pensées? Vous voyez? Donc c'est ça, en fait, quand on parle le don des langues, ça veut dire que tout ça, nous sommes appelés à cela. Ça veut dire que lorsque le Créateur, nous avons dit tout à l'heure, nous donne son esprit, une portion de sa personnalité, ses vertus et ses attributs, mais il te donne de comprendre tout ce qui s'est dit dans le monde. Vous voyez, de le percevoir. Voilà. Bon, et cela est prouvé, comme je le disais, par le fait que nous ne pouvons pas être dotés progressivement de la personnalité de notre Père et être contraire à lui. C'est-à-dire avoir des habitudes, avoir les désirs, avoir les envies, avoir le caractère contraire au Créateur. Parce que ce qu'il nous donne, c'est sa personnalité. C'est son esprit. Il te donne son esprit. Quelqu'un qui te donne son esprit, il t'a donné lui-même. Parce que si l'esprit qui parle en moi, par exemple, c'était possible qu'il puisse pénétrer ce fauteuil qui est là. C'est-à-dire, quand vous entrez là, vous ne verrez pas mon visage, mais vous entendrez ma voix. S'exprimer là. Vous allez commencer à chercher partout en disant, mais il est où? Où est-ce qu'il se cache dedans? Donc, il n'est pas possible que nous soyons dotés de l'esprit donc, ou la personnalité, le caractère du Créateur et ne pas comprendre qui il est, ne pas comprendre dans quel monde nous sommes. Les gens parlent. Il y a un esprit qui s'exprime dans le monde, mais pourquoi nous ne le comprenons pas? C'est parce que nous sommes en dehors de l'esprit de Dieu. Vous êtes...